Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Random Chelou avec le frérot Fitzadric. Comment vas-tu frérot? Ça va très 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 bien, très content de me retrouver ici sur ta chaîne pour cet épisode du Random Rush en ta compagnie, puis en la compagnie de tous les magnifiques viewers aussi bien sûr. Exactement, merci à vous les amis pour la ce fort. Et c'est pas n'importe quel Random Rush. Comme vous pouvez le voir juste ici, c'est coché LBR. On va partir en Legends Battle Royale avec tous les persos montés à 14 étoiles. Pour ce Random Rush, on va prendre que les Sparkling. Et du coup, ça va cogner. Ça va cogner. Je tiens à préciser. Ou pas. Voilà. Je tiens à préciser qu'on est dans la deuxième partie de ce Random Rush. La première partie se trouve sur la chaîne de Fitzadri. Le lien est dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne et abonnez-vous. C'est gratuit, les gars. Et en même temps, yes. Max 2 pouces bleus aussi pour cette vidéo en mode Genkidama, comme d'habitude. Bon, frérot, cette fois-ci. J'ai mis vitesse régène de qui. Je l'ai dit tout vitesse à l'heure. Vitesse régène de qui. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure sur la chaîne de Fitz. Je suis désolé, la dernière fois j'avais laissé obtention les gars, mais en aucun cas croyez que c'était de la triche ou quoi. Ça n'a rien changé parce qu'après c'est Fitzadri qui me tire les numéros. Donc je ne suis pas devin, je ne sais pas quel numéro il va me choisir. C'est juste en fait pour le mélange de la boxe, hein, c'est tout. Mais voilà, en soi ça n'influe pas. Laissez les armes les gars, pas de procès. Voilà, voilà, d'exécution sur la place publique. Calmez-vous, voilà. En tout cas nous ça nous fait plaisir de faire des random rush avec vous, c'est divertissant, on s'amuse, voilà. Même si, on va pas se mentir, je suis bien conscient que Fitz, il a un niveau quand même supérieur à moi, mais je trouve ça plaisant, et du coup, bah, même pour moi, ça me fait du bien pour up un petit peu mon niveau petit à petit. Donc, merci à toi quand même, frérot Fitz. Eh bien, écoute, c'est façon plaisir clairement partagé. Comme j'ai eu l'occasion de le dire deux, trois fois déjà, c'est pas une question. On s'en fiche du level. Et puis, façon, sur une game, tout peut se passer, on le sait très bien, c'est comme au exactement. Foot, hein, faut pas croire non plus. Donc, et puis, même j'ai envie de dire, c'est comme au foot, sauf que imaginez qu'au foot, en plus de ça, il y a le Rising Rush. Imagine, mec. Imagine au foot, il y a le Rising Rush demain. Grave, grave, ça serait un truc de ouf. Rising Rush et tout. Hop, c'est bon, le but, il rentre. Mais pourquoi? Bah, Rising Rush. Hein, alors, Rising voilà. Rush, mon pote, c'est comme Rising ça. Rising Rush, cool. Voilà. Donc, voilà, les amis, bon, on va partir. Pour cette deuxième game de Random Rush Legends Battle Royale, frérot, t'es prêt? Yep, yep, okay. Yep, yep, je suis archi prêt, et puis, ben, on a, alors, toi, t'as 40, non, c'est moi, non, 41 ouais. Lignes, et toi, 37. Exactement, j'ai 37 lignes, les amis, donc j'ai le droit à 3 retirages, parce que c'est un tirage toutes les 10 lignes, et toi, tu as 41 lignes, donc tu as le droit à 4 retirages, voilà. Exactement. Ok, eh ben, écoute, je vais te tirer ta première ligne. Allez. Allez, on va partir en ligne numéro 16, perso 2. Ok, alors, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, et perso, j'ai dit 2. Oh, oh là, mais ça commence, ça commence, ça commence. Go, Tanks Transfo. Go, Tanks Transfo, mec. Ok, je le mets bien, les gars, vous voyez ou pas? Ah oui! C'est notre invité oui. Sur la chaîne, on le met bien. Voilà, on met bien l'invité chez ce, c'est, pas, ouais, voilà. C'est pas comme ça chez tout le monde, sachez-le. C'est pas comme ça chez tout le monde. Ok, allez, vas-y, dis-moi. Ok, une bonne 4 pour toi ce soir, on va voir si tu vas être chanceux à la maison. Et perso 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et perso 1. Perso combien? Un comme un. Comme le suicidaire chauve, crédin. On est bien, les gars. Voilà. Merci, Fitz. Franchement. On ouais, est bien. Contre-type, mec. Contre-type, ouais, contre-type, ouais. Oh, okay. Je suis mort, le crédin qui tombe. Oh, purée, il m'a tiré le suicidaire chauve. Allez, let's go. Du coup, ligne. Oh, ce qui serait beau, c'est que je te tirais une C18 bien nulle avec, là. Ça serait beau. Allez, ligne 27, perso okay. 4. Donc c'était la ligne 16, le Gotenks, donc 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, c'est ça? Ouais, 27 et 4. Oh mais non, je l'ai aussi! Incroyable! Oh, le random rush du Krillin. C'est un délire. Okay, ok, très bien. Ok, ok, pourquoi pas, écoute, faut voir. On a des retirages, les gars. Ligne 18 pour toi et perso 4. Ok, alors attends, je sais plus où j'en suis là, donc je vais oh, j'en veux plus non plus, je vais regarder. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, et ligne, et perso combien? Perso 4.
Pyquan, mais trop bien, frère, le premier Pyquan qui était sorti le tout premier jour du jeu Dragon Ball Legends. On est bien, les gars. Ça, ça va casser de la bouche, hein, ça, je vous le dis. Oh, les gars, entre les tirages et ceux qui mettent des commentaires chiants, il y en a un, il va plus faire de Random Watch bientôt, c'est chiant, c'est bientôt terminé. C'est un délire, les gars, on est pas mal, on est pas mal. Bon, on a les retirages, hein. Le mec sait qu'il compte que ça. Ouais, je suis mort, mais on a les retirages qui durent depuis plusieurs épisodes maintenant. Oh là 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 là. Okay. Bon, alors, pour toi, ligne 8, okay. Perso 2. Allez, je l'ai eu tout à l'heure, ce perso, je suis quasiment sûr que je l'ai eu tout à l'heure, attends. Hein. Oh là là, mais non. Et oui, c'est Jubai Kaioken, je savais bien que je l'avais eu tout à l'heure. Ouais, ouais, je spoil, Jubai, da, Jubai okay. Qui tombe ici, ok. Bon pic, encore une fois, merci Soso. Bah de Baf. Rien. Et mec, Pyquan, Jubai, ça se vaut, on va pas se mentir. Ouais, ouais, bah oui, ça se vaut, ouais. Il y en a un, il fout deux strikes à l'autre, il est mort, et puis l'autre, il a besoin d'avoir la main qui se renouvelle assez souvent. Ah, plus qu'assez souvent, même. Ligne 7 pour toi, et perso numéro 1. Alors, 7 et 1, 3, 4, 5, 6, 7... Ok, Black Goku type violet. Bon. C'est le meilleur que t'as. Clairement. Ouais, c'est le meilleur. Après, bon, faudra voir la team, le reste de la ouais. team. Hein, mais en soi, c'est pas si dégueu que ça. Bon, c'est le meilleur, clairement. De toute façon, pour l'instant. Alors. Attends, mais en plus, je crois, en vrai, Pyquan, il est ennemi puissant et Black Goku aussi. T'as peut-être un truc. Ouais, je. Ouais, bon. Ouais. Mais bon, faut les KZ derrière que eux n'ont pas, quoi. Ah, ouais, non, il a pas été puissant, lui. Non, ouais, non, il l'a pas. D'accord. Bon, il est juste guerrier de l'au-delà. Il y a Walou. Il est bien, Bon personne. Voilà. Alors, du coup, pour toi, ligne 33 et perso okay. 3. Ok, 33 et perso 3. Ok. Donc j'en ai 41 des lignes. Hein, oui, si exactement. Donc 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, c'est ça? Ouais, et perso 3. Eh ben c'est pas si mal en vrai, c'est le Trunks Ikari SSJ2, enfin le Trunks SSJ2 du futur. Ok, ok. DPS. Ok, ok. Donc ça va. Genre c'est pas très bien, mais ça va. Ouais, c'est passable, on va dire. Ouais. Clairement, ce genre de pic, ça te dérange pas trop d'avoir, ça va. Exactement. Pour toi, ça sera la ligne 35 et le perso numéro 3. Ok, alors j'en ai 37... 36, 35... Voilà. Le Goku Genkidama. Et je sais pourquoi il rigole, Fitz. Et moi aussi, je le sais. Je vous spoil pas. Vous irez voir sur sa chaîne. Voilà. On est bien. On est bien. Oh, ah, les voilà. Pouces bleus, les gars. Les pouces bleus pour Soso. Les pouces bleus, s'il vous plaît. J'ai besoin de soutien, les amis. Ah, le soutien, les frères. Ah, c'est terrible. Si Legends Battle Royale, 14 étoiles. Je me voyais déjà et tout. Ah, purée, on peut tomber sur des persos de ouf. Suicidaire Chauve, Pyquan, Goku Genkidama. Quoi demander de plus? Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Hein, je me voyais en haut et là je redescends. Je redescends. Okay. Ok. Allez frérot, pour toi, ligne 26, perso 2. 26 et 2. Je suis passé de la ligne 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kakunsa, ok, Kakunsa, intéressant. Bon, elle a rien à foutre dans la team. Elle a rien à faire là, ouais. Rien à faire là. Pourquoi pas, Kakunsa, on verra bien, on sait jamais suivant les retirages, on va voir. C'est ton jamais. C'est ton jamais. Pour toi, ligne 5 et perso numéro 4. Alors. Et en vrai, on prend des persos partout, au milieu, en haut, à la fin. Grave. Ok, hit. Alors, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Là c'est pas mal, ouais. Ça c'est pas mal. Après, bon, j'aimerais bien qu'il soit bien entouré, tu vois. Ouais, parce que là, t'as hit et t'as hit, quoi. Mais ouais, là, hit, c'est voilà. Hit, c'est bien. Bon, c'est un manque de défense. Par contre, quand il met des patates, il met des bonnes patates. Hein. D'ailleurs, après, mec, ouais. Hit versus Jubai, hein. J'ai Jubai, ouais. Moi. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Beau gosse. Pas mal. C'est pas mal. Ok, bon, c'est le perso le plus fort de la team, là. Alors, du coup, pour toi, ligne 3, perso ou non. Bon, là, c'est quoi dans... Seul vert. Seul vert, ok. Bon, ouais, bon. Ça, c'est moyen, mais pourquoi pas, quoi. Ouais. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. T'as, par contre, je repense au hit. Tu sais qu'en plus, il a vitesse de pioche plus 2 à 14 étoiles. En random rush, il va casser les boosts, ah, là, le hit. Hein. Ah ouais, à 14 étoiles, vitesse... En fin de game, il a vitesse de pioche plus 2, ouais. Donc, ok. Ok, ça peut être pas mal. Après, il me faudrait des persos, voilà. Alors, on va voir tout de suite. Ligne 22. Ok. Et perso numéro 1 de la ligne 22. Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, et perso 1. Ok, Badak, c'est pas trop mal parce qu'il est jaune et du coup il va profiter de la cap Z de hit, mais c'est pas non plus le plus grand des cogneurs.
C'est pas non plus le plus grand déconneur. Bon, on va commencer les retirages. On voit ça. Ouais, c'est mieux que la moyenne de ta team, le Banac, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est mieux que la moyenne, comme je fais bien de le dire, mais bon. Moi, là, ce que je vais faire, bah déjà, on va virer. Il y a tellement aussi à virer. Ah bah là, ouais, il y a des mouvements à virer. C'est clair. Après, attention, attention, est-ce que tu te rappelles de la cap Z de Paekwon? Je m'en souviens pas, mais bon, vu qu'il est jaune, il est boosté par hit, mais bon... Lors d'un combat, 20% la force max des attributs jaunes. Ah ouais, il booste quand même les points de vie. Eh oui, donc c'est intéressant quand même. Hein. Ouais, je vais d'abord retirer Krillin, comme je voulais faire en premier, et ensuite on verra. Donc voilà, bah déjà Krillin, tu sautes. Allez, on va remplacer le Krillin par la ligne 19 et le perso numéro 1. Ça serait trop drôle que ça se voit Krillin encore une fois. 3, imagine. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai pas envie d'imaginer. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, perso 1. Ouais. Goku SSJ2 jaune. Après, alors, niveau cap Z, ça commence à pas trop rigoler quand même. Hein. Ça commence à être pas mal niveau cap Z, mais ça commence à faire beaucoup de jaune également. Ouais. Ok, j'ai droit encore à deux retirages. Vas-y, je vais déjà virer le Goku Genkidama. Ok. Le Goku Genkidama qui saute, les gars, qui va être remplacé par le perso numéro ligne 37. Je pense pas que t'aies les 4 dessus. Non, j'en ai 2. Et le numéro 2. Ok, Trunks type vert. C'est pas fou. Hein. Ah, c'est pas fou. C'est pas fou parce que là maintenant j'ai plus qu'un retirage et là. Il va ressauter, non, je pense. Ouais, je pense qu'il va ressauter. Je regarde juste vite fait la cap Z de Black Goku, mais ouais, mais de toute façon, je peux pas le tester. Il sera meilleur que le Trunks. Allez, tu sautes Trunks. Ligne 12 pour le dernier retirage et perso numéro 1 de la ligne 12. Ok, ligne 12, perso 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perso 1? Ouais. Ok, Gohan Transfo de type vert. C'est mieux. Dommage qu'il n'y a pas assez de métis, mais c'est mieux. C'est mieux. Les retirages t'ont mis mieux quand même. Ouais, ça m'a mis mieux. Ça m'a mis mieux, par contre, j'ai quand même 4 jaunes. Bon. T'as une team moyenne là. Ouais, c'est ça, j'ai une team moyenne. Ok, alors, pour toi. Écoute, on va enlever Kakunsa qui n'a rien à faire ici. Oh, c'est dommage, elle était forte pourtant. Ouais, elle est pas mal, mais face à 4 jaunes là, je sais pas. Ouais, voilà. Je suis pas serein là. Alors, pour toi, ligne 11, perso 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais. Broly vert qui... a pas grand chose à faire ici non plus. Hein. Ouais. On va se mentir. Je vais l'enlever, direct. Ok, très bien. Alors, ligne 15, perso 4. C'était la 11, juste avant, et Broly vert. 12, 13, 14... Ben voilà, 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 Végéto jaune qui tombe, voilà, c'est un bon pic. Il a trop de chance cet homme, chance. J'ai pas trop de chance, c'est toi Soso, c'est toi, arrête. Et j'ai même pas de rouge. C'est toi qui as de la chance, c'est toi qui tire les nombres. C'est ça, bah oui, je te donne la chance, je te la donne, tiens, prends. Moi je te donne ma poisse. Voilà. Ok, alors on va enlever... Je vais enlever sel vert pour commencer. D'accord. Voilà. Alors. Parce que c'est un cyborg et face à Gohan, ça peut partir un peu en couille. Ligne 31. Ok. Perso 1. 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32. 31 perso 1 ? Ouais. Oh, c'est pas mal ça en vrai. C'est le Goku SSJ God rouge. Goku. Vu tous les jaunes que t'as. Ouais. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal du tout. Okay. T'as le Gotenks rouge, ouais. Là, j'ai une bonne team encore une fois. Ah, là, ouais, c'est clair. Un dernier retirage et je vais enlever, je pense. Mais je vais enlever. Putain, c'est pas facile entre Trunks et Krillin. En vrai, Krillin il a un bonus pivot et un soin, faut pas oublier. Mais je vais enlever Krillin quand même. Voilà, bah oui, bien sûr, frérot, quand même. Quand même. Non, mais le bonus pivot ça peut être bien. Ouais. Alors, ligne 3. Ok. Perso 1. Là d'accord, bah, c'est celle qui revient. Donc j'étais destiné à la voir. Puis... C'est un délire. Mais ça me va. Sincèrement, ça me va. Ok, bon. Ça me va très bien. Ok, bah écoute, les teams sont prêtes, je pense. Eh bah vas-y, ouais, tu peux m'inviter, frérot. Je suis mal, les gars. Je suis mal. On va essayer de tout donner. Voilà. Alors franchement, t'as une team moyenne et moi j'ai une bonne team.
Donc, Gotenks transfo, végétaux de type jaune, Dubaïda, Godku, Non, c'est vrai, j'ai une bonne team, ça. Ouais. Mais allez, t'as mieux que tout à l'heure. Ouais, j'ai quand même mieux que tout à l'heure, j'ai mieux que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, c'est vrai. C'est vrai. Ce qui m'embête, c'est pas mal de jaune et t'as quand même deux gros rouges. Ah bah le Goku God qui est tombé, ça fait du bien. Voilà, c'est clair. Bon, on va essayer de tout donner, les gars. Comme d'hab. On va tout donner. Allez, let's go. Max 2 pouces bleus sur cette vidéo, les amis, comme d'habitude. N'hésitez pas également à réagir en commentaire, hein, et encore une fois, allez dans la description pour la première partie de ce Random Rush. Yes, la première partie du Random Rush qui a été cruelle, hein, les gars, on peut le dire. Elle était très cruelle. Voilà, vous comprendrez. Vous comprendrez. Bon, let's go. Allez. Avec quoi je pars pour cette première game? En vrai, t'as pas un seul bleu, hein, quand même. Ouais, j'ai pas de bleu. Après, c'est soit Pinsel, soit Goku Genki Dama du shop. Alors bon, bon. En vrai. C'est vrai. Eh bien, écoute, je sais sur quoi je vais partir. Ok. Et ça va être énervé. Ok. Le mec qui met là, qui met pas l'ambiance directement. Ça va être énervé, tu vas voir. Ok, ça moi, je vais faire un choix stratégique. Je pense qu'on va faire ça. C'est incroyable, encore une fois, quand même, cette chance là. Je pense qu'on va faire ça. Je pars avec les plus. Enfin, voilà. En stratégie, en mode. Ceux qui potentiellement sont peut-être un peu moins bons. Et je garde. Ouais. Je garde les meilleurs pour espérer une deuxième manche. On verra. Il y aura une deuxième manche, de toute façon. Oui, enfin, ouais. Pour espérer quelque chose en deuxième manche. Voilà, c'est ça surtout. Allez. Ouais. T'es 2 millions 9 de points de vie. Ah, ils vont avoir des points de vie avec le Paikwan. Hein. Ouais. C'est plutôt pas mal là-dessus. Ok. C'est solide un petit peu les persos jaunes en vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, avec les KZ et tout, du coup, ça. Ouais, les KZ chez toi plus l'absence de KZ chez moi, en vrai j'ai peut-être un peu sous-estimé le truc parce que franchement je trouve qu'ils sont bien solides les persos là. Ouh, là j'étais pas bon. Là j'étais pas bon, monsieur. Ouais, oh, et puis là par contre du bas, il fait... Ouais, lui il est pas jaune, ouais, quoi. Lui, ouais. Il est pas jaune. Non mais par contre c'est impressionnant comment il tank. Ouais, j'avoue, par contre ça tank. Je m'attendais pas à ce que ça tank autant. Là ah pour ouais, le clairement. Coup, Parce qu'en fait, tu sais, moi j'ai pas de KZ quoi. Donc, ouais, pas beaucoup du moins. Tu joues en fait sur la puissance du perso en lui-même, quoi. C'est ça. C'est exactement ça, ouais. Alors que toi, t'es plutôt... t'as des persos moyens, mais t'as de la KZ derrière. C'est ça. C'est par contre, ça s'applique. Ça s'applicote. Ouf. Ok. Celle-là va faire un peu mal, ouais. Et la deuxième aussi. Parfait. Ok. GG. Bien joué, ça. Allez, 2 spé, ouais. C'était assez inattendu, ouais. Ça, c'est clair. Ok, Badak. Ok. Allez. Wouah! Ça a fait un giga chiffle, là. Ça a fait un peu de dégâts, effectivement. Ça a fait un peu de dégâts. Par contre, là. Ah, la Gotenks, hein. Là, voilà. C'est ça que je redoutais. C'est le rouge. C'est Gotenks ça que je redoutais. Qui pardonne pas. Oh là 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 là. Tempête de dégâts sur le Paikwan. Ah ouais. Ah ouais, là le Gotenks, les gars, je peux pas. Ah, le Gotenks qui est trop énervé là, ouais, clairement, il est trop violent. Il est trop violent. Et là, ça va être compliqué, hein. Ah, dommage. Et je pense que Gotenks, après, je t'ai dit, hein, je pars avec du lourd direct. Ouais, moi j'ai gardé quand même, bon, le Gohan transfo, tout ça, avec le hit, j'ai gardé ça de côté, mais ouais, non, là, le Gotenks, bah, il a fait la game. Hein. Clairement, Gotenks, là. Il a fait la game. Ouais. Il a fait la game, mais. Quand même, ils ont bien tanké les persos. Je pensais pas que ça allait tanker à ce point-là, avec ton végéto, tout ça. En vrai, sincèrement, hein, le hit là, si Terry va bien le jouer, à mon avis, il y a moyen de faire quelque chose, ouais. Ah, je pense que ça peut être énervé. Surtout que là, moi, je vais partir avec des bras cassés pour le coup, par contre, on va pas se mentir. Donc c'est maintenant où faut tout donner, les gars. Les bras cassés, par rapport à ma team. Ouais, enfin, ouais, ouais, bras cassés, bon. Ça reste quand même des bons persos, moi. Voilà, j'avoue. Bon, allez, on va essayer de tout donner. Il va falloir que je fasse attention au Godku, tout ça. Ouais. Ok. Ouais.
Mais là, le hit, ouais, faut... le hit peut faire très très mal. Et même le Goku peut bien tanker en vrai, donc... Après, il a beaucoup de Vigo, par contre. Hein. Ah, j'avoue. Plutôt bien. Le clash. Oh, pas mal. Bien joué. Pas mal, ce clash. Pas mal, ce clash. Sachant qu'il est pas transfo, Mirai, c'est pas mal quand même les dégâts là. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ah ouais, Goku par contre c'est pas ça. Hein. Ouais, là en plus en transfo. Ouais. Ah, pas mal. Pas mal ça. Oh là là là, mais le Mirai. Ok, c'est un peu le Mirai aussi. Ouais, ouais, c'est clair. C'est que c'est surtout le sel qui t'a pris, hein, je pense. C'est surtout ça la vérité. c'est fort probable également. Ok. Ok. Ok, ça c'est pas mal par contre. Ouais, ça c'est plutôt bien même. Ah ouais. Ah ouais, là par contre, là ça risque de. Mais non! Aïe 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 aïe. Allez, Goku! Aïe 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 aïe. Sur hit! Ah ouais, mais. On se demande qui a l'avantage sur qui en vrai là. Les dégâts sont pas dingues. J'avoue là. J'avoue, c'est pas folichon effectivement les dégâts. Ah ouais, hein. Ah, c'est que vraiment niveau KZ, t'es pas mal quoi. C'est ça qui. Qui contrebalance bien. Allez. Ah mais franchement, je pense pas que je vais le tuer. C'est pour ça que je l'ai mis là, parce que 2,5 millions de points de vie, il y a peut-être moyen qu'il... Oh bah, parfait, voilà. C'est contré, ouais, mais de toute façon, je vais pas tuer. Ah ouais. Si je peux me casser le crâne. Voilà. Ah, ça va être compliqué. On va voir, hein. En on plus, ça, voir. Si tu fais le kill, Mirai-Guan, il va se booster. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. J'ai remis Strike, pareil. J'ai bien fait. Bien joué, ouais. Aïe, 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 ça va être dur. Ok. Hein. Il a fallu tuer ce hit, et malheureusement, bah, je l'ai pas tué. Pas mal, ouais. Petit écueil, là. Allez, Goku God. Il va encaisser, il va encaisser. Ah, franchement, ouais, ça encaisse, quand même. Le dispel, il fait plaisir sur l'aspect, là. Allez, let's go. Ok, ça va que c'est des strikes. Et encore, je trouve que ça met des dégâts un peu quand même. Enfin, ça va. Et ça, c'est fort par contre. Putain. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est tellement fort. Ok, le retour du tank. C'est ça. Je m'en sers de tank en fait là. Depuis tout à l'heure, c'est ce que je fais. Et en soi, il fait plaisir. Il ah fait bah, plaisir. Il tank, hein. Ouais, il fait vraiment plaisir. Ouh. Et le deuxième. Allez. Attention. Attention. Ok. Oh purée. Ok, on okay, a enfin réussi à battre le tank là. Ouais. Et c'est lui qui me posait problème en vrai depuis tout à l'heure. Hein. Le tank il est parti. Bon. Faut plus bégayer maintenant. Faut plus bégayer. Oh my god. Ah ouais, mais la hit. Ouais, non, mais la hit, il va me casser en deux là. Il va me casser en deux, je pense, le hit. Ah, les blasts, ça va, ça tank. J'ai de la chance que ça soit des blasts là, putain. Ouais, c'est clair. Ça va faire mal quand même, ça. Ah, ça tue pas, hein. Ça tue pas, mais je dois pas être bien. Ok. Ah, je pensais que t'allais rattaquer direct. Je pensais que tu allais rattaquer direct. Mais pourquoi il tank comme ça, ce Mirai-Guan? Je comprends pas. Laisse-le tanker. Laisse-le tanker, il est bien. C'est incroyable. Ah, je suis obligé de switcher, hein. C'est chiant. Aïe, aïe, aïe. Aïe, yes. Aïe, aïe, aïe. Allez, Trunksu. Trunksu, lui. La saignée qui fait plaisir aussi. Ah ouais, non, ouais, oui, oui. Hit. Ouais, par contre. Ah ouais, bah ouais. Hein. Pas pareil, hit. Hein. Ouais, là, ouais. Ok, la partie, elle est chaude, hein. Elle est très, très chaude. Très, très chaude, ouais. Et là, je suis devant. Ah, fais chier, putain.
là là là. C'est passé à ça. T'avais pas le deuxième Rising Rush? Non, j'avais pas encore. Ah, t'as pas eu de chance, parce que moi je l'ai eu tellement vite en vrai le deuxième. Grave, et moi je l'ai pas eu depuis tout à l'heure, je me disais putain, la Dragon Ball, elle est où? Ah ouais, c'était tendu, je pense que pendant un moment on parlait plus, hein. Je pense ah ouais, là c'était. Ah, c'est passé à ça. Et en fait, j'ai fait le con. Parce que quand je me suis TP, j'aurais dû faire une strike et en fait j'ai fait la blast comme un teubé. Et du coup, t'as eu le temps de. Ah, t'as fait de ta patate direct. Tu l'avais la strike dans la main? Ouais, j'avais en plus, j'ai fait le con. Ah, ouais. J'ai fait le con. Ah, bah t'avais la win sur ça en vrai, hein. Ouais, tu mettais la strike. C'est ça. Ah, ça, purée. Ah, dommage. Sur le hit, il a fait mal. En fait, le truc, c'est que hit, j'ai mis beaucoup de dégâts au début, donc après j'ai vu que t'étais timide de le remettre, et ce qui est normal, tu te disais pas je vais le remettre et le perdre parce que c'est mon seul espoir le hit. Exactement. Et finalement, tu l'as remis à un moment où il m'a fait très mal. Très très mal. Bah ouais, en fait, je l'ai mis au bon moment, après voilà, il a enchaîné l'ultime et tout. T'as eu de la chance qu'elle soit que. Enfin, c'est le Goku du coup qui a encaissé l'ultime, ça l'a pas tué, j'étais un peu dégoûté. Parce qu'en fait, avec des blasts à ce moment-là, dans la main. Exactement. Si t'avais que des strikes et l'ulti, je serais mort. Ah bah oui, c'est clair, les strikes, elles auraient bousillé le Goku. Dommage, en tout cas, c'était une belle game. Ouais, c'était une belle game, et il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte en random rush, que même moi d'ailleurs, j'y réfléchissais pas spécialement. C'est que t'as ce côté. Faut aussi faire gaffe à pas avoir. Tu sais, essayer d'avoir. Plus de strike ou plus de blast suivant les persos que t'as, tu vois. Exactement. Et ça, c'est pas simple, quoi. Parce qu'en vrai, le Mirai Gohan, autant il était bien dans la game, autant il te ramenait de blast et c'est relou pour Hit. C'est clair, c'est clair. Pour Hit, par contre, ouais, c'était un handicap en fait pour Hit. Ouais. Pour Hit, il t'a handicapé à cause de ça. Par contre, après, bon, bah c'est vrai que le Mirai Gohan, il a fait du bien. Ah, il a fait du bien, et même le Goku SSJ2, il a tanké comme un ouf, sur le Rising Rush, du coup, 2005... Ah, pas sous-estimer les Cap Z en random rush, c'est clair. Parce que c'est vrai que ta team avait l'air vraiment moins forte que la mienne sur le papier, je pense que les persos étaient vraiment moins forts, et au final, ils se sont boostés, sont boostés ensemble, et ça, pour le coup, c'est pas mal. C'était pas mal, clairement, c'était pas mal, mais j'ai kiffé cette game, Soso, clairement. Moi aussi, j'ai vraiment kiffé, merci à toi, mon frérot, j'espère que vous aussi, derrière votre écran, vous avez kiffé, donc voilà, la win pour le frérot Fitz. Max de pouces bleus, les amis, on comme d'habitude. Pouces bleus, les gars, c'est important. Voilà. Très, très important, les amis, pour référencement, vous connaissez. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ben voilà, je vais laisser le fin mot pour le frérot Fitz, qui a sorti son beau biceps, là, les gars, en mode Marc Lambert. Parce que je me suis gratté, là. on en profite. Franchement, très belle game, c'est cool. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est LBR, on va pas pouvoir en profiter beaucoup, les gars, parce que c'est pas là souvent. Avec. Les games de LBR, le 14 étoiles, mais en tout cas, moi, j'ai kiffé, puis ça fait plaisir de voir des teams un petit peu qui changent comme ça. Là, on voit du mono jaune, presque, finalement, et on voit que c'est quand même intéressant, en random rush, en tout cas. Donc, moi, personnellement, j'ai grave kiffé, je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo, et puis, on espère que vous avez kiffé, c'est le plus important, bien entendu. Exactement, car c'est vous la force, les amis. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite, et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao. Ciao. Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super!